Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo où on va parler d'études de variation. On va faire un problème en deux temps. Le premier, c'est conjecture, donc ça suppose l'utilisation de la calculatrice. Et ces conjectures, on va les prouver grâce à ce point de cours. C'est vraiment important que vous le maîtrisiez. On va voir ça en détail juste après le générique. D'ici là, vous mettez sur pause, vous bossez l'exercice. Et puis, à tout de suite. Première partie, conjecture donc. Et avant tout, on commence par le domaine de définition, qui là ne va pas être une conjecture. Alors un domaine de définition, c'est un intervalle, ou une union d'intervalles, où la fonction existe. Donc, commençons par s'occuper de son existence. On est en présence d'un quotient. Ça, c'est vraiment la première chose à noter. Et vous savez qu'un quotient n'existe pas quand le dénominateur est nul. Eh bien, on va s'intéresser plutôt à quand est-ce que f n'existe pas. Elle n'existe pas quand x carré plus 4 est égal à 0, c'est-à-dire x carré est égal à moins 4. Or, ça, c'est impossible dans R. Donc en fait, le domaine, eh bien, c'est tout moins l'infini plus l'infini, l'ensemble R. Donc on sait déjà ce qu'on va mettre dans notre tableau de variation. Alors ça s'obtient assez facilement sur GeoGebra, certes, mais qu'est-ce qui se passe sur calculatrice? Rentrons la fonction, 1 sur x carré plus 4 donc, et on constate, je recale tous les axes en croix, on ne constate pas grand-chose. Je vais changer justement ma graduation, surtout un y, j'ai vu qu'il n'y avait rien en dessous de l'axe des abscisses, donc je vais aller de moins 1, ça n'a pas l'air de monter très haut en effet. Là on est à 1, donc on est à moins de la moitié. Je vais resserrer un peu encore une fois pour émettre une conjecture à peu près correcte, je vais mettre le maximum en y à 0,5, et on voit que je suis encore à la moitié, ouais, donc j'ai vu que ma courbe, qui était définie de moins l'infini à plus l'infini, semblait avoir un maximum en 0. Et donc, sur la première portion, moins l'infini 0, elle a l'air croissante et décroissante après. Et ce maximum, en effet, ça semble être 1 quart, 0,25. Voilà pour le tableau de variation. Et puis justement, est-ce qu'elle possède un maximum, cette fonction? On dirait bien, f admet un maximum qui vaut 1 quart en 0, atteint pour x égale 0. En revanche, est-ce qu'elle atteint un minimum? En fait, c'est un peu compliqué. Si vous avez vu la courbe, le minimum ne semble pas être atteint. C'est-à-dire qu'en fait, la courbe va frôler les axes, comme pour la fonction inverse, sans jamais les toucher. Mais on reste sur de la conjecture. Donc, pas de minimum ici a priori. Il y a ce qu'on appelle une borne inférieure, mais pas de minimum. Passons à la partie preuve maintenant. Alors pour ça, on va mettre en place un petit raisonnement déductif et on va décomposer notre fonction. Pour aller de x au résultat, on va déjà mettre x au carré, puis ajouter 4. Pour enfin passer à la fonction inverse. Donc x carré donne x carré plus 4, et x carré plus 4 donne 1 sur x carré plus 4. Et on va prendre deux nombres positifs avec a plus petit que b. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'opération carré? Je retrace ma fonction carré, justement, et quand je prends a plus petit que b, je constate que les images sont classées dans le même ordre. Donc je vais avoir a carré plus petit que b carré. Ça vient du fait que la fonction carré est croissante sur 0 plus l'infini. Que se passe-t-il maintenant quand j'ajoute 4? C'était ma deuxième opération. Eh bien en fait pas grand-chose, je garde l'ordre, puisque ajouter 4 ça ne pose pas de difficulté. Et qu'est-ce qui se passe quand j'applique ma fonction inverse? Je la retrace pour mes mots. On est sur des a et b positifs, avec a plus petit que b, et on constate là que l'ordre est inversé. 1 sur a va être plus grand que 1 sur b. Pourquoi? Parce que f, enfin plutôt la fonction inverse, elle est décroissante strictement sur 0 plus l'infini. Pour le coup, 0 exclu. Donc là, on va changer l'ordre, que j'ai écrit donc en rouge. Et si je reprends tout depuis le début, je suis parti de a plus petit que b, et j'arrive à f de a plus grand que f de b. Conclusion, ma fonction f est décroissante sur 0 plus l'infini. Ça colle bien à ma conjecture. Je vais recommencer pour l'autre partie. Donc cette fois-ci, je vais prendre a et b de nombre quelconque, mais vraiment quelconque, mais négatif cette fois-ci. Avec toujours a plus petit que b, pourquoi pas. Quand je passe au carré, regardez ma courbe de l'autre côté, je vais avoir a carré plus grand que b carré, vu que je suis sur une portion où elle descend, cette courbe. Quand j'ajoute 4, ça ne change pas grand-chose, donc je vais avoir a carré plus 4 plus grand, toujours, que b carré plus 4. Et en passant à l'inverse, encore une fois, nouveau changement, puisque la fonction inverse est décroissante sur moins l'infini 0. Donc au final, je suis parti de a plus petit que b, f de a est encore plus petit que f de b, donc sur la portion des nombres négatifs, la fonction est strictement croissante, ce qui colle parfaitement à mon tableau de variation. Voilà comment on fait pour prouver les choses. On passe par des inégalités et par les courbes des fonctions de référence. Et ce maximum, du coup,
Eh ben, on va partir de x carré. X carré est supérieur ou égal à 0, c'est un carré. Donc x carré plus 4 est supérieur ou égal à 0 plus 4, c'est-à-dire 4. Ça vient du fait que le carré est toujours positif, bien sûr, puis on ajoute 4. Et quand je passe à l'inverse, encore une fois, je cherche à construire ma fonction brique par brique, comme des Lego. Donc quand je passe à l'inverse, je vais pouvoir dire que 1 sur x carré plus 4 est inférieur ou égal à 1 quart. Vu que la fonction inverse est toujours strictement décroissante. Là, on est sur des nombres positifs. Hein. Donc voilà, j'ai montré que 1 sur x carré plus 4 était plus petit ou égal à 1 quart. Mais c'est quoi 1 sur x carré plus 4 ? C'est ma fonction f de x. Donc qu'est-ce que je peux en déduire ? Question 3b. Je peux en déduire que pour tout x réel, j'ai montré que f de x était inférieur ou égal à 1 quart. Et ça, est-ce que c'est la définition du maximum ? Eh bien, pas tout à fait, mais presque. Là, pour l'instant, j'ai un plafond. Et il faut que je montre que ce plafond est atteint. Eh bien, justement, f de 0, qu'est-ce que ça vaut ? L'image de 0, 1 sur 0 au carré plus 4, ça fait justement 1 quart. Donc là, j'ai une bande supérieure qui est atteinte. C'est la définition du maximum. Donc 1 quart, c'est le maximum de la fonction f, car il est atteint. Et on peut même dire où il est atteint, en 0. Donc, encore une fois, on travaille avec des inégalités et il faut finir vraiment par vérifier que ce maximum est atteint. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Pas forcément évident comme thème, mais n'hésitez pas à retravailler tout ça. Vous connaissez la chanson, like, commentaire, partage. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.